Salut salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Confédération sud-américaine de football a invité l'équipe du Maroc à participer à la prochaine Copa América qui sera organisée en 2024. Après leur belle prestation à la dernière Coupe du Monde et en raison des bonnes relations que le Maroc partage avec les pays d'Amérique du Sud, la Confédération sud-américaine de football a jugé bon d'inviter le Maroc à la prochaine Copa América. Cependant, les Marocains n'ont pas encore donné leur réponse. En effet, la Fédération royale marocaine de football a posé deux conditions pour y participer. Dans cette vidéo, nous allons vous donner ces conditions, et nous allons aussi vous expliquer pourquoi ils ont posé ces conditions. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui contribuent à l'évolution de la chaîne, en laissant des likes, et en s'abonnant. Vous êtes déjà plus de 300 abonnés, et ça fait vraiment plaisir. L'objectif est d'atteindre les 1000 abonnés, d'ici la fin du mois de février. Je vous invite donc à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. Et de toutes les façons, vous pourrez toujours vous désabonner à tout moment, si jamais vous n'aimez pas le contenu de la chaîne. Donc si c'est fait, nous allons continuer. Pour le moment, on ne sait pas encore si le Maroc participera à la prochaine Copa América. En réalité, la balle est du côté de la Confédération sud-américaine de football. Car en ce moment, les Sud-Américains sont en train d'examiner les conditions du Maroc. La première condition posée par les Marocains est que la coupe prévue entre juin et juillet 2024 soit organisée aux États-Unis. En effet, la Fédération royale marocaine de football a pensé à la grande communauté marocaine aux États-Unis, qui pourrait être d'un soutien considérable à l'équipe nationale. En réalité, il sera difficile pour les supporters marocains de partir du Maroc pour aller supporter leur équipe. C'est pour cette raison que la Fédération royale marocaine de football veut profiter de la communauté qui est déjà présente aux États-Unis. La seconde condition est que la CAN 2024 ne soit pas disputée en même temps que la Copa América. Il est clair qu'on ne peut pas être à deux endroits au même moment. En effet, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se jouera en 2024 en Côte d'Ivoire. Le Maroc étant un pays africain et surtout un habitué de la CAN, ils ont jugé bon de privilégier la Coupe de chez eux. La question qui se pose à présent est de savoir si le Maroc sera la première équipe africaine à participer à la Copa América. De toutes les façons, l'avenir nous dira. En ce qui vous concerne, aimeriez-vous voir le Maroc se confronter aux pays d'Amérique du Sud? Partagez votre point de vue avec nous dans les commentaires. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-nous un like si vous l'avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à bénéficier de nos vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.